Voilà donc ce qu'il leur faut.
Des femmes et des liqueurs fortes. Tu parais bien amer. Ah, te voilà, mon vieux piéton. Oui, je méprise les hommes. Ne fais-tu aucune exception? Une seule. Toi, qui m'as appris le métier. Toi qui as remplacé mon père pendu avant l'âge. Toi qui as été le guide de ma jeunesse. Qui m'a conservé le commandement de cette bande qui était mon héritage. L'occasion était bonne pourtant d'exploiter pour ton compte. Ça me suffit à moi. Mais il y en a d'autres peut-être à qui ça ne suffit pas. Hein? Les hommes de ta bande ont, je crois, l'intention de t'adresser quelques observations. De la discipline? J'en ai peur. Nous allons voir ça. Approchez, vous autres. Nous approcherons si nous voulons. Messieurs? Nous ne sommes pas contents. Les affaires ne vont pas. Qu'est-ce que vous demandez à la fin? On vous demande... Qu'est-ce qu'on lui demande, au fait? On vous demande d'avoir une idée et de trouver quelques bons coups à faire. Promettez-leur quelque chose. Écoutez, je vous promets... Je vous promets d'avoir une idée, et j'en aurai une. Oh! Parole d'honneur. Sur la tête de ma fille. Sur elle-là? Oui, sur la tête de ma fille, sur elle-là. Je jure que d'ici un peu de temps, je ferai faire à l'avant d'une opération fructueuse. L'occasion ne se fera pas attendre. Le mariage de la princesse de Grenade avec le duc de Mantoue est officiellement annoncé. Eh bien, à l'occasion de ce mariage, il y aura des fêtes. Peut-être oubliera-t-on de nous y inviter, mais ça ne fait rien. Nous y serons tout de même. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Nous serons à ce mariage. Vive Saint-Capin ! Vive Saint-Capin ! Vive Saint-Capin ! C'est aujourd'hui ma fête, la Saint-Ernest, mais je veux leur laisser le plaisir de me faire une surprise. Quel jour sommes-nous? Jeudi, je crois. Mais non, c'est aujourd'hui la Saint-Ernest, le jour de ta fête. Est-ce possible? Alors Pietro et moi t'avons apporté un petit présent. Eh ben, si je m'attendais...
ton portrait, Fiorella. Ton portrait en costume de cour. Tu as l'air d'une marquise. Et quand l'as-tu fait faire? Pendant 8 jours, je suis allée chaque après-midi chez Michelangelico, le peintre à la mode à Mantoue. Bravo. Et merci, à vous deux, pour cette bonne surprise. Mais tu ne souris plus? Qu'est-ce que tu as? À Dieu ne plaise que je veuille juger votre conduite. Je suis fière d'être votre fille et j'aimerais avoler sur vos traces. Et cependant, depuis quelque temps au moins, je suis toute surprise de sentir en moi des hésitations, des scrupules. Elle lui vient de sa mère. Une sainte femme, trop tôt disparue. Depuis quelques jours, dis-tu? Et quand ça l'a-t-il pris pour la première fois? Le jour de la visite que nous avons faite à ce jeune fermier. Quel fermier? Le jeune et riche Rigoletto, à qui vous avez rendu visite mercredi dernier. Pendant que vous mettiez sa maison au pillage, je suis restée immobile, les yeux fixés sur ce jeune homme. C'était plus fort que moi. J'ai tort peut-être de vous faire cet aveu. Non, il faut espérer que ça se passera. Je ne t'emploierai à l'avenir que dans les circonstances où il faudra de la grâce et de la délicatesse. Me le dira. J'adore au fond de tout ça. Ma Fiorella, il y a quelque chose. Oui, j'adore ma Fiorella, C'est à vous que je me rends. Et non à un autre. Eh bien? C'est des hommes qui font du zèle, et voilà tout. Je sens donné bien du mal pour amener ici un bon jeune homme qui venait de lui-même. Tu dis que tu viens ici? Oui. De moi-même. Pourquoi faire? Pour te parler, chef. Qui es-tu? Rigolette. Je suis le jeune fermier que vous avez dévalisé hier. Et tu viens pour te plaindre? Non, chef. Je viens pour te faire une communication. Une communication? Relative à mademoiselle. Quand tu me files un signe en l'air de me rendre visite, je sentis un moment d'humeur, mais cela passa vite. Car si n'était pas ta fille en toi, et mon âme étonnée, s'adoucit et te pardonna pour l'avoir amenée. Tous les deux, étions contents, dis-toi vole fille, et des yeux, moi pendant ce temps, je dévorais ta fille, ta fille. Travaille fort bien ma foi, les jours du travail, mais tu
n'a rien laissé chez moi, si ce n'est les nuages, le lit avec le baldaquin et l'horloge qui sonne. Tu les as pris, t'es bien coquin, je te les abandonne. Tous les deux, nous serons contents. Pille toi, vole, pille, mais souffre moins quand même toi. Je pille un brin ta fille, je pille un brin ta fille, ta fille, ta fille, ta fille, ta fille. Mais c'est une déclaration? Pourquoi te fâcher, chef? Un jeune homme a bien le droit de faire une déclaration à une jeune fille lorsque ses intentions sont pures. Ah, tes intentions sont pures? Comme le regard de ta fille. C'est sa main que je viens te demander. Oh, tout de suite, papa, tout de suite. Tu es un coquin. Tu veux pour gendre un coquin? Je crois que j'aimerais mieux ça. Qu'à cela ne tienne. Je désire m'engager dans ta bande. Faut voir si ton mérite est à la hauteur de ton ambition. Suis-moi. Toi, tu vas rester avec Pietro. Il te racontera des histoires de brigands célèbres. Allez, en route, mon gaillard. Histoire de brigands? Quelle histoire de brigands vais-je bien pouvoir lui raconter? Alors, Pietro, tu me la racontes, cette histoire de voleur? Ah ben, volontiers. Il était une fois un grand financier. Et puis après? C'est tout. Oh, mais elle n'est pas de toi, cette histoire. Non, mademoiselle, c'est une histoire que j'ai volée à Monsieur de Voltaire. Tu as vu le bon collier? Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la ville? Je me suis égaré. Mon Dieu, ce serait assez difficile de vous expliquer. Mais si vous le voulez, je peux vous chercher un guide. Un guide? Oui, je le trouverai vite et je serai bientôt revenu. Ne vous pressez pas trop. Que vas-tu faire, Pietro? Retrouver ton père et lui dire qu'il y a ici un beau jeune homme à dévaliser. Eh bien? Je vais vous chercher un guide, mon jeune seigneur. Allez, brave homme, allez. J'y vais, aussi vite que mes vieilles jambes me le permettent, mon seigneur. Va-t'en. Je m'ennuierai quand ton vieux compagnon sera revenu. Ne l'attends pas, car il ne reviendra pas seul. Je le sais bien, il ramènera un guide. Un guide? Mais que veux-tu dire? Que si tu ne pars pas et tout de suite, tu es perdu. Ah, c'est une farce. Qui donc crois-tu que je suis? Mon père est un chef de brigands, et je suis moi la fille de mon père. Ah, monsieur votre père est... Oui. Et il va revenir? Oui. Avec ses hommes? Oui. Alors je m'en vais. Mais nous nous reverrons. Peut-être. Je n'en demande pas davantage. Eh bien, et ce jeune homme? Parti. Comment parti? C'est ma foi vrai. Non, je ne veux pas. Comment tu ne veux pas? Non, c'est ta fille. Moi, ça, mais j'ai une fille qui sauve tous les jeunes gens qu'elle rencontre. Je vois ce que c'est. C'est encore une de ces hésitations, un de ces scrupules dont tu me parlais tout à l'heure. Faudra changer tout ça. C'est très mauvais dans notre état. Je vous promets de bien me conduire à la prochaine occasion. La bonne heure. Ça va leur revenir de meilleurs sentiments. Bonne soirée.
pas voici ma prise, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet. Le galop de sa jument grise retentissait dans la forêt, retentissait dans la forêt, retentissait dans la forêt. Moi j'ai des caches, je l'avise, je bondis hors de mon bosquet, l'étonnement le pulvérise, je l'empoigne par le collet, et profitant de sa surprise, je lui présente un pistolet. Il me répond pas de bêtises, je suis courrier de cabinet, je suis courrier de cabinet, je suis courrier de cabinet. Voici ma prise, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet. Pas de capable, voici ma prise, c'est un courrier de cabinet. Le galant de sa gym m'a pris, le vent qui s'est dans la forêt, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet. Un moment j'hésite, c'était un peu vite, faire mes pieds de bonnie, j'ai peur et je reste interdit. Mais à l'instant même, à celle que j'aime, pensez dit là-dessus, avant n'hésite plus. Sitôt mon âme est décise, sera fermée et se remet. J'ai tout pris, je vais les valises, je te la porte, je la porte. Il me semble, quoi qu'on en dise, que ce petit débit promet. Je l'amène et je le maîtrise avec les clics de son fouet. Oui, je l'amène et le maîtrise avec les clics de son fouet. Tic, clac, tic, clac, tic, 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 tic. C'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet, c'est un courrier de cabinet. J'ai tout pris, ça valait valise, c'est un apport de trois complets. Il me semble qu'on en dit que son petit débit promet. C'est un courrier, c'est un courrier, c'est un courrier de cabinet. C'est un courrier, c'est un courrier, c'est un courrier de cabinet. C'est un courrier, c'est un courrier, c'est un courrier de cabinet. C'est un courrier de cabinet. Il faut savoir ce qu'il y a dans cette valise. Pietro, fais sauter la serrure. Oh, nous touchons à la haute politique. Ah, il s'agit de ce mariage entre notre jeune souverain, le duc de Mantoue, et la princesse de Grenade. En défalquant les 2 millions qui représentent la dot de la princesse, la somme due par la cour de Mantoue à la cour de Grenade se trouve réduite à 3 millions. Ces 3 millions seront remis à la personne qui accompagnera la princesse. 3 millions. 3 millions ? Il est dit dans cette dépêche qu'on envoie au prince de Mantoue le portrait de la princesse de Grenade. Il doit être là, ce portrait. Le voilà. Oh. Elle est fort jolie, cette princesse. Fort jolie. Mais pas plus jolie que ma fille. Alors, chef. Alors, je pense qu'il ne faut rien faire qui puisse contrarier un si beau mariage. Remettons le portrait dans son écrin. Oh ! Tu t'es trompé, chef. C'est le portrait de ta fille que tu as mis. Oui, c'est le portrait de ma fille. Mais es-tu bien sûr que je me sois trompé ? Courrier, reprends ta valise, ton cheval, et ta route pour Mantoue. Quoi, chef ? Vous permettez ? Laissez passer cet homme. Approchez, les enfants. La journée a été bonne. Vous m'aviez dit de trouver une idée. L'idée est trouvée. La plus géniale qui ait jamais germé dans la cervelle d'un chef de brigand. Je vous ai déjà dit que la princesse de Grenade allait épouser notre jeune souverain, le duc de Mantoue. Eh bien, la dépêche qui était dans cette valise m'a appris que l'ambassade de Grenade et la délégation envoyée au-devant d'elle par la cour de Mantoue allaient se retrouver demain à l'auberge des frontières naturelles. Et alors ? Voici mon plan. Nous arriverons les premiers à cette auberge. Nous nous substituerons à l'hôtelier et à son personnel. Et c'est nous qui accueillerons les émissaires du duc de Mantoue. Puis nous les enfermerons, prendrons leurs habits, et c'est nous qui recevront la princesse de Grenade et sa suite. Et après, eh ben, nous cadenasserons l'ambassade de Grenade
et nous irons nous-mêmes, à Mantoue, encaisser les 3 millions. Les 3 millions que le duc de Mantoue offre en cadeau de noces à sa jeune épouse. Et pour fêter cette idée géniale et pour célébrer l'entrée de Fragoletto dans notre bande, je t'aurais une petite débauche. Et comme paysanne. Oui, mais avec modération. Du feu en même temps, car nous aurons ce soir pour nos fêtes aux Bachelois. Allons chercher les accessoires. Nous sommes les amis, en bas, les Chacun ayant sa chacune. Chacun ayant sa chacune.
Voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes, reluire des casques d'acier. Il a raison, il a raison. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier. C'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers. Les bottes des carabiniers. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier. C'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers. S'il faut se battre, me voilà, me voilà. La petite halte là, éteignons tous, faisons silence. Plus tard, nous montrerons du cœur. S'il est un taureau pour la valeur, il en est un pour la prudence. Silence, silence, silence. C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers, oui, des carabiniers. Silence, silence, silence. Au secours des particuliers, nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons toujours trop tard, toujours trop tard, toujours trop tard, toujours trop tard. La ronde est-elle terminée? Ou y a-t-il une seconde tournée? La ronde n'est pas terminée. Voici la seconde tournée. Cachons-nous bien. Ne disons rien. Piano, piano, pianissimo, piano.
carabiniers. Des carabiniers. Des carabiniers. Mantoue. Est-ce qu'on va bientôt atteindre cette auberge des frontières naturelles? Mais, monsieur le baron de Campo Tasso, oui. Un raccourci en montagne, ça paraît toujours trop long. Oh, sans aucun doute, sans aucun doute. Je sais que je meurs à la fois de soif et de chaleur, et d'ici que j'attrape en plus une insolation. Je vous concède que le service de notre maître, le jeune duc de Mantoue, est parfois rude. Mais quel honneur pour vous de conduire cette délégation et d'aller au-devant de notre futur souverain. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de penser que les chefs d'État ont bien tort de placer les frontières au sommet des montagnes. Avant ! Allez, je oh. Oh, quelle chaleur ! Capitaine. Oui. Des gorges. Oui. Pas vrai coupe-gorge, non? Ah, un chemin de traverse est fait pour traverser. Oui, oh, sans doute, sans doute, mais c'est moi qui suis traversé par de funestes pensées. Mais voyons, auriez-vous peur par hasard de ce brigand de Falsacapa? Comment vous devinez? Quoi, monsieur le baron, alors que je trotte à vos côtés? Ou enfin, du côté gauche, alors que mes hommes sont à l'arrière-garde. Vous auriez peur de rencontrer ce Falsacapa? Mais je souhaite de le rencontrer, ce Falsacapa. Et au premier détour de ce défilé, et lui dire « Oh les mains !» Ou alors « Baripate, le tenir en joue, là, épouvanté, terrorisé, anéanti !» Au nom de la loi italienne, arrêtez. Bravo, capitaine, bravo. Alors c'est comme ça que vous emparez du gibier de potence. Thank you.
départ, ma fille me comble de joie. Je commence à désespérer qu'on vous trouvât un jour un époux. Mais je ne sais rien du duc de Mantoue. Où irions-nous si les filles de votre rang devaient choisir pour se décider à se marier? Sachez que les grandes alliances sont celles qui peuvent se passer le plus facilement au doigt. Ah, tous ces préparatifs de départ me brisent le cœur. Pourquoi a-t-il fallu que la balance de notre commerce extérieur fût à tel point en excédent avec le duché de Mantoue? Que dites-vous là? La vérité. Mon ministre des Finances m'a convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ce mariage pour contraindre le duché de Mantoue à régler sa dette au duché de Grenade. Votre ministre a raison. Les bons comptes font les bons états, amis. Allons, je vais aller jeter un dernier coup d'œil sur vos bagages. Mais qu'ai-je à voir avec la balance des comptes? Eh bien, voilà. Mantoue nous doit 5 millions. Votre dot est de 2 millions. En vous épousant, le duc de Mantoue se voit ainsi forcé de nous rembourser la différence. Oh, mon père, ne m'obligez pas à partir. Soyez forte, ma fille. Tout Grenade vous bénira. Ne vous désolez pas, princesse. Je pars avec vous et je ne vous quitterai jamais. Mais quelle journée! Quel coup de feu! Oh, et quelle heureuse idée j'ai eu de m'établir sur la route qui conduit de Grenade à Mantoue! Sans ça, nous n'aurions jamais la bonne aubaine qui nous arrive aujourd'hui! J'ai fait ce que vous m'avez dit, mon père. J'ai mis des toiles d'araignée sur les bouteilles de vin ordinaires pour en faire des bouteilles de vin extraordinaires! C'est très bien! Et vous autres, agents, vous êtes prêts? Rôtisseurs, petits et grands, mes amis et mes enfants, aujourd'hui j'en ai l'espoir. Vous ferez tous votre devoir, puis chacun fera son devoir. Oui, chacun fera. Les bonbons sont à l'aimer, et les canards sont aimés, les consommateurs viendront, maintenant quand ils voudront. Les bonbons sont à l'aimer, et les canards sont aimés, les consommateurs viendront, maintenant quand ils voudront. Oui, maintenant, quand ils voudront, oui, maintenant, quand ils voudront. Pitoyable et donner du pain.
facitatem, caritatem, dati panem, facitatem, caritatem, dati panem, doni, doni di pan, doni, doni di pan, doni di pan, di pan, di pan. De cet homme-là. Oui, face à Capa. Réponds, bonhomme. C'est bien dans ton hôtellerie que doivent venir les gens envoyés par notre auguste maître, le duc de Mantoue, au-devant de sa fiancée, la princesse de Grenade. Oui, monsieur le voleur. C'est ici également que la jeune princesse doit passer la nuit avec sa suite. Oui, monsieur le brigand. C'est bon, emmenez-le et enfermez-le avec toute sa famille et ses marmitons. Allez. Oh, non, non. Vous savez de quoi il s'agit, messieurs? Il s'agit d'aller toucher 3 millions à la cour de Mantoue. L'affaire vous va? Ah, crois bien que ça nous va! D'autant plus qu'une fois là-bas, il y aura sans doute de bons coups à faire. Hein? C'est cela, n'est-ce pas? Tâter des poches, voler des montres, voilà ce que je ne veux pas. Quand nous serons costumés en hommes du monde, si nous nous mettons à chiper des tabatières, ça nous fera remarquer. T'as dit qu'en prenant des millions? Sans doute! Il faut voler selon la position qu'on occupe dans la société, c'est élémentaire. Donc je vous en prie, messieurs, dans une affaire comme celle-ci, pas de montre, pas de tabatière, et je vous promets le succès. À condition que ta fille veuille bien nous gronder. Nous pouvons compter sur elle. Pas vrai, ma fille? Hier, après avoir protégé la fille de ce jeune homme qui portait un collier d'or, tu m'as promis de réparer un instant d'égarement. Tu m'as promis de me prouver ton zèle à la première occasion. Cette occasion est venue. C'est sur toi que repose toute la combinaison. Et si je consens à seconder vos vastes desseins, si grâce à moi, vous empochez une 3 millions, quelle sera ma récompense? Veux-tu 5%? Oh, mon père. 10, 15%? Vous ne comprenez pas. C'est bien peu de chose, l'argent, quand on est amoureuse comme je le suis. Alors que veux-tu? Oui. Fragolette? Vous lui donnerez à lui les 15% et lui, vous me le donnerez. Mais elle prend tout. C'est ta fille. Voilà, il donne 15% à sa fille. Et nous, quand nous demandons une avance de 50 francs, j'aime mieux résilier. Eh bien, papa, est-ce convenu? C'est convenu. Et nous ferons signer le contrat par le premier notaire que nous trouverons. Mais avant de penser au mariage, il faut s'occuper de la dot. Aux affaires sérieuses. Ragoletto.
Va voir ce que deviennent les marmitons et apporte-nous leurs costumes. Oui, chef. Carmagnola, tu iras t'embusquer sur la route de Mantoue. Et dès que tu apercevras les gens qui viennent au devant de la princesse, tu nous avertiras. Bien, chef. Barbarano. Oui, chef. Va t'embusquer sur la route de Grenade et viens nous prévenir dès que tu verras la princesse. Oui, chef. Allez, vous autres. Et soyez prêts à mon premier signal. Chef, voici les costumes. Ah, j'en ai apporté trois. Et maintenant, de l'encens, n'est-ce pas? La veste. Alors, nous y sommes. Une, deux, trois. Ça y est. Maintenant, le tablier. Le tablier, c'est fait. Le Ah, ben moi, pas encore. Attendez, je vais vous aider. Et maintenant, le bonnet. Attention, tâchons d'aller bien ensemble pour le bonnet. Une, deux, trois. Ça y est. Mais, ça ne nous va pas si mal, hein? T'as toujours l'air neuf, chef. Oui, là, t'es un chef de cuisine. Chef, ils arrivent! Combien sont-ils? Il y a d'abord un petit gros, un seigneur. Ah oui, le chef de la délégation de Mantoue. Plus le capitaine des carabiniers. Une vieille connaissance. Et six de ces hommes. Six carabiniers? Nous allons les fourrer dans la cave au vin, comme ça ils nous laisseront tranquilles. Fragoletto, va voir si nous sommes sont prêts, qu'ils viennent. Toi, va faire le guet. Voilà, les marmitons, les cuisiniers, les mitrons. Vous êtes bien. Très bien. Hein? Ah, non seulement dissimuler vos gorges. Mais nous faisons ce que nous pouvons, chef, mais nous ne pouvons dissimuler davantage. Voilà le cortège. Dissimulez, ayez l'air de vrais marmitons. Voilà d'étranges figures, de singulières tournures, ces marmitons. Sauf respect, ont un singulier aspect. Ce matin, tous deux, et demandé par son Altesse, laquelle nous a dit, messieurs, allez recevoir la princesse. Recevoir la princesse. Pour la recevoir, que faut-il? Que faut-il pour la satisfaire? Combiner l'élément civil avec l'élément militaire. Je suis le militaire. Il est le militaire. Le militaire. Destin, on a proposé l'ambassade qui devait agir au devant de la princesse de Grenade. Et voilà comment on a proposé l'ambassade qui devait agir au devant de la princesse de Grenade. La princesse de Grenade, la princesse de Grenade. À qui avons-nous l'honneur de parler? Vous avez l'honneur de parler à son Excellence, le baron de Campotasso. Nous sommes bien ici sur la limite des deux pays, n'est-ce pas? Voyez l'enseigne? Aux frontières naturelles, Pipo aubergiste. Ah ben c'est bien cela, oui. Vous êtes Pipo? Je suis Pipo. Il est Pipo! Ces marmitons sont plus gais que leur figure ne le ferait supposer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des poignards, des pistolets, mais... Est-ce que ça vous sert pour faire la cuisine? Non, mais comme l'on prétend que Falsacapa est dans les environs... Oh, Falsacapa! Oui, Falsacapa. Je l'ai taillé en pièces hier au soir. Êtes-vous bien sûr? Tout à fait sûr. Et la prochaine fois que je le rencontrerai, je le retaillerai en pièces. Mais si vous l'avez taillé... Comment pouvez-vous le retailler?
Je pourrais vous répondre qu'après l'avoir taillé dans un sens, je le retaillerai dans l'autre. Mais j'aime mieux vous dire que j'ai eu tort de vous dire que je l'avais taillé. Car la vérité est que je ne l'ai pas taillé. Mais je le taillerai. Et pourquoi ne l'avez-vous pas taillé? Parce que j'ai jamais pu le rencontrer. C'est une raison. Mais je le rencontrerai. Vous croyez? J'en suis sûr. Car je sais pourquoi je n'ai jamais pu le rencontrer. Pourquoi? C'est à cause de mes trompettes qu'il avertissait en faisant du bruit. Alors, vous comprenez, j'ai supprimé les trompettes. Ah, diable! Et je les ai remplacées par des tambours. Ah, la bonne heure! Massade de grenades. Oh, les autres qui sont encore là, nous ne serons jamais prêts. Alors, vous autres, dépêchez-vous! Entrez là-dedans! Qu'est-ce que vous dites? On vous a préparé une collation. Ah, très bien, très bien. Venez-vous, capitaine! On a spécialement préparé un petit lunch pour messieurs les cavaliers! Il y a rien à boire! Il y a à boire! Ah, vous verrez ça! Allons, allez plus vite que ça! Allons, allez, allez! Il était temps. Voici les Espagnols. Ma charmante princesse, il va donc falloir nous quitter. The French chef, usually seen in this time period, will not be seen tonight so that we might continue the special international performance of Les Brigands. Please tune in next week. Ici que l'on devait nous attendre? Mais oui, princesse. Eh bien, je ne vois personne. Mais moi non plus, je ne vois personne. Et je trouve ça raide. C'est indécent. Jamais on ne s'est moqué à ce point de la morgue espagnole. Je vais voir ça. Hola, hola! Il n'y a personne? On y va! Comment? On y va? Mesdames, messieurs, c'est bien levé. Mais Dieu me pardonne, est-ce que vous n'êtes pas les personnes envoyées de la cour de Grenade? Mais si, nous sommes ces personnes. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et vous, n'êtes-vous pas au nombre des personnes de la cour de Mantoue que l'on envoie au-devant de nous? Je suis, moi, le chef des carabiniers du duc de Mantoue. Mais il n'y a pas que moi, il y a mes hommes. Et puis le baron de... Le baron de Campo Sasso. Comment avez-vous dit? Campo Tasso! Hé! Campo Tasso! Campo Tasso, c'est moi! Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà les personnes de Grenade! Allons-nous! Parole d'honneur! Là! Voilà la princesse! Tu voyais tous ces Espagnols! Mais est-ce possible? C'est vous, princesse! Je vous demande pardon, je finis de m'habiller et je descends! Nous descendons! Oui, descendez et dépêchez-vous, car vous me permettrez de vous dire que vous ne tenez pas suffisamment compte de la morgue espagnole! Nous descendons, Excellence! La morgue espagnole! La morgue espagnole! Et voilà, princesse! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, belle tenue, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Ah, tenue de campagne, princesse, le désordre, l'animation. Salut! Sont-ils pas superbes? Princesse?
prudent, au baron. Je n'entends plus que vous. Hein? Oui, me voilà, me voilà. Hein? Qu'est-ce que je vais vous servir? Bifteck aux pommes, petite mouton poulette? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu racontes, animal? Ben, puisque je suis Marmiton. Mais tu ne l'es plus, Marmiton, c'est fini. Qu'est-ce que je suis, alors? Tu es le baron de Campo Tasso. Tu viens au devant de la princesse. C'est vrai. Mmh. Excusez-moi, princesse. Je sors à peine de la cuisine. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? La cuisine. La cuisine politique, princesse. La cuisine politique. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Oh, très bien, très bien. C'est à moi de vous présenter les personnes qui accompagnent la princesse. Moi, d'abord, comte de Gloria Cassis, grand d'Espagne, de 11e classe, chef réel de l'ambassade. Et Pablo, précepteur, est un seigneur sans importance, et Adolphe de Valladolid. Mon page favori. Il ne me quitte jamais. 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 Est-ce que vous compteriez vous opposer? Moi? Oh, ben voilà qui m'est bien égal. Baron, oui. Deux mots. Je vous écoute. Vous êtes en mesure, je suppose. En mesure? Pourquoi faire? De nous payer les 3 millions. Hein? Vous faites semblant de ne pas me comprendre. Et 3 millions. Oh, oui, quoi, j'ai... 3 millions. Oh. Ah, oui. Je sais, je sais. Vous les donnerez. Par Notre-Dame des Sept Douleurs, vous les donnerez. Princesse. Vos appartements sont préparés, princesse. Et quand il vous plaira. À la bonne heure. En voilà qui ont au moins figure humaine. Ils sont gentils, très gentils. C'est donc vous le maître de cette hôtellerie? Oui, princesse. Et elle? C'est mon amoureuse. Ah, vous êtes... Oui, princesse. Je suis son amoureuse et lui, c'est mon amoureux. Vous entendez, Adolphe? Des amoureux? Oui, princesse. Alors, dites-nous comment vous êtes-vous aimée? Oh oui. Madame, si je l'avoue avec sincérité, j'ai grand désir d'être sa femme. En le voyant, voilà la vérité. Comment cela me prend? Je n'en sais rien à moi-même. C'est trop jamais. Princesse. Princesse, je suis ému jusqu'aux larmes d'avoir le privilège de vous accueillir. Vos appartements sont préparés, princesse. On a eu l'honneur de vous le dire. Eh bien? Eh bien, quand vous voudrez. Nous avons le temps, je suppose. Je vous demande pardon. Je ne connais que ma consigne. Et il est dit dans ma consigne qu'une fois arrivé ici, vous devez pénétrer dans vos appartements. Mais il est que 2 heures d'après-midi. Ça ne me regarde pas, j'ai ma consigne. En armes, mes militaires. Ah, et ne faites pas les malins.
C'est ma consigne. Pietro. Eh ben, on parle. Allez, enlevez-moi ça, allez. Allez, embarquez-moi tout ça. Allez. Et voilà. Ils entrent dans leur chambre, ils se couchent et s'endorment. Nous, au bout d'un quart d'heure, nous crochetons leurs serrures, nous prenons leurs vêtements, et après... Et après... Ah, à moi, au secours, à la force, à moi, ah, 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 au secours, à moi. Regardez. Au secours, au secours, au secours. Le diable emporte celui-là. Cours. Ah non, Annada, délivrez-moi. Pas le sac à pain. Pas le sac à pain? Qui donc a parlé de ce brigand-là? Le voilà, le voilà. C'est lui, le grand, c'est pas le sac à pain. Pas le sac à pain. Pas le sac à pain. Jusqu'à demain matin, vous les tiendrez en joue. Et nous, en route pour Mantoue. Tremblez, 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 garde-boutonnons. Tremblant, tremblant, au bout de dents, l'eau tremblant. Tremblez, 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 garde-boutonnons. Tremblant, tremblant, au bout de dents, l'eau tremblant. Tremblez, 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 garde-boutonnons. Tremblant, tremblant, tremblez, garde-boutonnons. Tremblez, 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 garde-boutonnons. Tremblant, tremblant, au bout de dents, l'eau tremblant. Ne tremblez plus, noble fils de l'Espagne. J'ai découvert dans la cave au champagne. J'ai découvert des soldats valeureux. Et je m'en vais apparaître avec eux. Bataille à l'arbre, très bien ça. Gardez-vous, mes amis, gardez-vous, mes amis. Les voilà, les voilà. En avant, en avant, en avant. Nous sommes les carabiniers. La sécurité des foyers. Ce ne sont plus des ennemis. Thank you.
des chansons, je vais vous en dire une qui s'applique à merveille à ma situation. Jadis régnait un prince, joli comme le jour. Joli comme le jour. Les dames de province, pour lui mouraient d'amour. L'une la plus jolie, mignonne et faite tour, pour passer son envie, s'en fut droit à la cour. Oh, oh, oh. Bon prince aux cheveux bouclés, ouvrez-nous à l'instant même. Ouvrez, gentil prince, ouvrez la femme qui vous aime. Bon prince aux cheveux bouclés, ouvrez-nous à l'instant même. Ouvrez, gentil prince, ouvrez la femme qui vous aime. Prenez garde, monseigneur, prenez garde. Vous aimez trop les femmes, et quand on aime trop les femmes, montez dans mon bureau. Voici la clé, ouvrez ma caisse. Ouvrez ma caisse et vous n'y trouverez pas grand-chose. Vous y trouverez 1283 francs 25 centimes et c'est tout. Voilà où en sont les finances de l'État. Et le reste, me direz-vous, le reste, qu'en as-tu fait du reste? Le reste, je l'ai mangé, et oui. Je l'ai mangé avec les petites femmes. Que devenir? 3 millions à donner à l'Espagne, et elle me les réclamera, ces 3 millions, l'Espagne, je la connais. Et voilà arrivé au moment où je dois... où je dois trouver autre chose qui m'empêche d'en arriver là. L'ambassade de Grenade. Seigneur dont j'ai protégé la fuite. Prenons garde. Mais c'est la fille du bandit. Altesse. Comment êtes-vous venue seule? J'avais pourtant envoyé au-devant de vous le baron de Campotasso. Campotasso, c'est moi. Mais non, tu ne l'es plus, animal. Ah oui, c'est vrai, oui, je suis le précepteur. Mais monsieur de Campotasso, nous ne l'avons pas vu. N'est-ce pas, princesse? N'est-ce pas, messieurs, que nous n'avons pas vu monsieur de Campotasso? Non, nous n'avons vu personne. Seulement, comme nous avions votre adresse par écrit, ça nous a permis d'arriver. C'est pourtant la princesse de Grenade. Je n'y comprends plus rien. Ainsi, mademoiselle, vous êtes la princesse de Grenade. Un peu. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui est-ce qui règne à Grenade en ce moment? Cette question, c'est papa. Elle a réponse à tout. Et monsieur? Monsieur, c'est mon page. Ah. Il ne me quitte jamais. Jamais? Jamais. Cela s'accorde parfaitement avec les renseignements qui m'ont été donnés sur la princesse. Je ne sais plus que croire. Je vous demande pardon, Altesse, mais il y a un compte à régler. Oui, je sais, les 3 millions. Exactement. Voilà, monsieur mon caissier. Il va monter dans ses bureaux et vous versera les 3 millions. Allons-y, alors. Monsieur le caissier, vous avez entendu? Je vous suis. Alors, monsieur, voulez-vous de l'or ou des billets? Moi, ça nous est parfaitement égal. Et à moi, donc. Ainsi, nous disons 3 millions. Tout juste et tout. Ah. Je comprends. Vous tenez à voir mes lettres d'accréditation. Les voici. Merci.
Nous, par la grâce de Dieu, duc de Grenade, prince de Celtibérie, comte d'Estrella Madour, de Montemayor, de Morales, Sirota et d'autres lieux de moindre importance, donnons charge et pouvoir à notre bien-aimé Féal le comte de Gloria Cassis, baron d'Uxeres et Manzanille, et propriétaire récoltant de quelques autres vignobles de moindre renom, et c'est un... de se faire remettre par les autorités dûment responsables et accréditées du duché de Mantoue la somme de 3 millions. Eh bien, tout ceci est en règle. Eh bien, ça va aller tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un beau billet de 1000 francs, ça. Ah, je comprends. Il faut encore 2 999 000 francs. Vous dites qu'il faut encore... Attendez. Je vous disais que ça fait 2 999 000. C'est tout à fait juste. Vous vous êtes déjà occupé de finances? Oui, quelquefois. Mais les 3 millions? Vous tenez à en parler? Mais bien sûr que je tiens à en parler. Parlons-en, alors. Parler de ça ou parler d'autre chose, moi, ça m'est égal. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que nous sommes là. Ben, c'est vous. Je dis que nous sommes là, de bons enfants, vous de ce côté du bureau, un bon enfant, et moi de ce côté-ci, un autre bon enfant. Occupons-nous de nous. Qu'est-ce que ça nous fait que la cour de Grenade ait les 3 millions, ou qu'elle ne les ait pas? Ça, mais... Voilà un bon billet de 1000 francs. Et moi, qui suis un bon enfant, ce billet, je le mets là. Et dès que je l'ai mis là, je n'y pense plus. Plus du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de ma plume? Ah, elle est tombée sous le bureau. Je vais la chercher. Vous entendez? Je vais chercher ma plume. Et je ne pense plus du tout au beau billet de 1000 francs. La vie, la vie, la vie, la mère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas pris le billet. C'est un honnête homme. Voyons, la fin, c'est 3 millions. Chut. Comment? Chut. Taisez-vous. Je sais maintenant que vous êtes un homme honnête, je vais vous parler comme un homme honnête. Les 3 millions? Je ne les ai pas. Tu ne les as pas? Non, mais on peut peut-être trouver un arrangement. Oh, je suis flambé, c'est un confrère. Coquin, voleur, les 3 millions. Un bon billet de 1000 francs. Oh, coquin, folie, voleur. Les 3 millions. Brigand, coquin, voleur. Mais... À l'aide! Que veut dire tout ce tapage? Mais on me bouscule, on m'étrangle, on m'outrage. Parce qu'il ne veut pas payer. Comment? Monsieur ne veut pas nous payer? Mais n'écoutez pas, cet homme est fou. Votre caissier n'a pas le sou. Expliquez-vous, monsieur. Une seconde, ambassade de Grenade. Nous sommes perdus, et nous allons être pendus. Menez-moi pendre ces gaillards-là. Nous sommes flambés cette fois. Menez-moi pendre ces gaillards-là. Ces gaillards-là. C'est Fiorella la fille, c'est Fiorella la fille, la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. Oh. J'avais un compte à me rendre, 3 millions. C'est vrai, mais on pourrait s'entendre, un bon billet de 1000 francs. Cela suffit, je vous comprends. Adieu le vol, adieu le brigandage.
redevenons d'honnêtes gens. Les bottes des carabiniers, 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 les bottes des carabiniers,